Monsieur le ministre, d'abord, ravi de vous retrouver. Et nous sommes quittés quand même après la réunion d'une commission qui a laissé quelques traces légères à certains et un peu plus profondes à d'autres. Je pense à mon collègue Raphaël Gérard qui était là tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, chers collègues, parler ouvertement de restitution, c'est parler de justice, de rééquilibrage, de reconnaissance, de restauration et de réparation, mais surtout c'est ouvrir la voie vers l'établissement de nouveaux rapports culturels reposant sur une éthique relationnelle repensée. C'est ainsi que Felwine Sarr et Bénédicte Savoie abordent la question de la restitution du patrimoine culturel africain dans leur rapport sur le sujet remis au président de la République en novembre 2018. 2 ans plus tard, nous voici réunis pour franchir une nouvelle étape dans nos relations avec les pays d'Afrique. Ce projet de loi va nous permettre de restituer les biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal. Plus précisément, il s'agit d'une part de faire sortir des collections nationales 26 œuvres données à l'État français par le général Dodds et conservées au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui constitue ce qu'il est coutume d'appeler le trésor de Béhanzin. D'autre part, il est question de restituer le sabre attribué à El-Hadj Omar Tall ainsi que son fourreau donné par le général Louis Archinard aux collections nationales. Remis symboliquement par Édouard Philippe à leur Premier ministre, au président Macky Sall, exposé au musée des civilisations noires de Dakar, nul ne peut nier la valeur hautement symbolique de ce sabre, aussi bien nationalement que religieusement, du fait de la qualité de musulman et de chef militaire de El-Hadj Omar Tall. Et c'est bien cette symbolique qui a fait coller beaucoup d'encre. Certaines et certains se sont élevés contre sa restitution. Ce sont souvent celles et ceux qui ont dénoncé sa symbolique de l'époque, celle du djihad. Ce sont aussi souvent les mêmes qui, en France, contestent le moindre débat autour des statuts et de leur pouvoir de représentation. C'est bien la preuve que les représentations d'un jour sont toujours questionnées et questionnables et que ce n'est pas une manifestation anormale. Pour revenir plus précisément à ce projet de loi, il constitue une étape importante, aussi bien dans nos relations avec ces pays que dans le travail de réconciliation sur les territoires français, que dans notre conception des biens culturels. En effet, comme mes collègues l'ont rappelé, il s'agit de faire une dérogation à notre législation qui garantit aux biens culturels des collections publiques des musées de France une triple protection. Ils sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Leur exportation définitive du territoire est interdite. Pourtant, sans nier le caractère inaliénable et universel des œuvres qui figurent au sein de nos collections nationales, aborder la question des restitutions est une préoccupation légitime. Elle n'est pas nouvelle, mais malgré les tentatives d'ouverture depuis plusieurs décennies, les demandes, nous l'avons rappelé, ont toutes abouti à des réponses négatives. Aujourd'hui, il faut le souligner, l'occasion nous est enfin donnée de réinterroger le contexte d'acquisition de certaines œuvres qui font la richesse de nos collections et de nos musées. Les travaux d'enquête et d'expertise de ces derniers nous permettent de déterminer qu'effectivement, certains biens ont bien été pillés, volés, dans le cadre d'un épisode guerrier de la colonisation, et donc sont bien aujourd'hui des biens mal acquis dans la conception actuelle. Aujourd'hui, le patrimoine africain se trouve en grande majorité hors des frontières africaines. Dès lors, rendre le droit au patrimoine à la jeunesse africaine, ce n'est pour nous ni renier le passé, ni se déposséder, mais au contraire, regarder le passé en face. Accéder aux demandes de restitution, ce n'est pas remettre le passé en cause, mais contribuer à bâtir un avenir plus apaisé, y compris en France. En ce qui concerne les conditions de conservation et d'exposition, ce projet de loi a fait naître des inquiétudes. Pour répondre à cela, je souhaite rappeler que la République du Bénin, comme la République du Sénégal, dispose déjà de moyens ou prépare déjà l'arrivée de ces biens culturels afin de veiller à ce que ces œuvres fragiles soient conservées dans les meilleures conditions possibles. De plus, comme l'a indiqué la rapporteure pour avis en commission des affaires étrangères, les demandes de restitution sont rigoureusement traitées grâce à une expertise scientifique et historique minutieuse. En revanche, comme le suggère le rapport Sarr-Savoie, nous devons nous poser la question d'une évolution du droit pour anticiper les futures restitutions. Nous avons pu aborder l'éventualité d'une loi cadre lors de nos travaux en commission. Pour l'instant, les demandes ne sont pas très nombreuses, mais il nous apparaît pertinent. Il y a un bruit de fond, mais alors hallucinant. On vous écoute, ma chère. Nous avons pu aborder l'éventualité d'une loi cadre lors de nos travaux en commission. Pour l'instant, les demandes ne sont pas très nombreuses, mais il nous apparaît pertinent de réfléchir à la création d'une procédure de restitution conditionnée par la définition d'une charte et la conclusion, par exemple, d'accords bilatéraux de coopération qui peuvent s'avérer plus souples. Ainsi, au-delà de la dérogation au principe d'inaliénabilité, les deux universitaires recommandent d'autres mesures, comme la création d'une commission paritaire d'experts des deux pays signataires pour examiner les demandes de restitution
ou les modalités de coopération culturelle et scientifique sur le long terme. Chers collègues, nous sommes dans un contexte déterminant pour nos relations futures avec le continent africain. Cette ouverture récente sur le principe de restitution nous permet de repenser nos échanges culturels avec les autres pays. Restituer, c'est redonner un souffle éthique et de justice à nos coopérations culturelles, c'est comprendre les sensibilités et l'importance symbolique des biens culturels. Aussi, restituer ne signifie pas remettre en cause l'universalité des œuvres, bien au contraire, c'est permettre un nouvel élan de circulation de ces dernières et reconnaître l'importance de faire dialoguer les cultures. Je vous remercie. Merci.